Bonsoir. Bonsoir. Ouais, tout à l'heure, on m'a annoncé comme étant le docteur du chocolat. Mais je dis, je suis un médecin. Mais pas un médecin ordinaire. Un médecin de ça. Raison pour laquelle mon travail porte sur la production de semences biologiques de cacao. Depuis des décennies, on me demande. Quelle est ta contribution dans l'agriculture? Je dis, je meurs d'une envie, c'est de sauver l'amour en protégeant, en produisant la plante qui produit ça qu'on appelle cacaoyer. Oh cacaoyer! Oh cacaoyer! Oh cacaoyer! Pour tes vertus, tu es, on arrive. Que tu veux, pour tes fèves, tu génères 250 millions de dollars par an. Et ainsi, tu représentes 3% des richesses nationales. Et comme cela ne suffit pas, tes fèves consument la matière première des produits qui rayonne et touche le cœur de toutes les jeunes filles là présentes. Et ton chocolat alors, aïe, on en revient. Tes bébés qu'on appelle semences donnent la chance à ses enfants de pouvoir écrire une formule mathématique. Enfin, d'espérer un jour participer à un concours de Science Slam. Ainsi qu'à ces jeunes, l'emploi qu'ils ont tant chercher et rêver. Hélas, ton cacao, il touche le cœur, touche les organes, mais surtout le système nerveux, et arrache un mot au bout de Toulouse, moins cela, le « je t'aime ». Que deviendrait le monde sans cacao? Que deviendrait le monde sans chocolat? Ce sont ces jeunes qui vont pleurer, c'est l'amour qui va partir, mais c'est surtout ce bonheur qui sera perdu. Tout ça à cause d'une maladie qu'on appelle la pourriture brune, causée par un champignon qu'on appelle Phytophthora megacaria. Il décime les cabousses, décime, et c'est lui qui cause à ce que le prix de ça augmente chaque jour dans les boutiques. Est-ce que j'ai Oh cacao, oh pourriture brune, oh hey, marée pourriture brune, oh co, on prend aussi pourriture brune, hey, tu décimes les plantations, tu touches le foetus, l'embryon du cacao qu'on appelle semence, entraînant des pertes de 10 millions par an. Hey, Meko, il dépasse docteur et Aladji, non? Semence. Toi, semence, comme cela ne suffit pas. On ne peut pas demeurer sans rien faire pour le cacao. Là. Raison pour laquelle il est conseillé de traiter les fiches avec les fongicides. Mais toutefois, la vulgarisation demeure difficile à cause de la cherté des fongicides chimiques. De plus, l'impact sur l'environnement et sur la santé n'est plus à démontrer. Conséquence, AVC. AVC. Conférence pléthore, COP21. Et si je vous demande, je suis un médecin en quête de solution, un médecin pas ordinaire,
Voulez-vous mourir par AVC naturel ou par AVC artificiel? Non, non, personne ne mourra par AVC, car aujourd'hui c'est l'heure de la vérité, l'heure de croire qu'enfin, l'heure de croire qu'enfin, l'agriculture biologique est arrivée au Cameroun. Il est arrivé, au travers d'un produit miracle qu'on appelle coquille. Oh coquille, oh coquille, oh coquille. Tu as des propriétés légion comme biofertilisant et comme antifongique. D'où l'intérêt a été pour nous dans cette étude de mettre sur pied une itinéraire technique permettant l'amélioration pour la production des semences biologiques de cacaoyer via l'assainissement de substrats de culture au moyen des coquilles d'huîtres. Merci. Oh. Ok. 3 mois après croissance, bingo, le rêve du paysan est devenu réalité. Les journalistes, ils ont parlé. Vous, vous avez commenté. L'amendement améliore la qualité du cacao. Aujourd'hui, je meurs d'une envie. L'envie de croire qu'à ce siècle, les gens peuvent accepter. De croire qu'à ce siècle, cette technique peut être véhiculée dans tous les strates paysans, afin de toucher les cœurs brisés de ces paysans, de toucher les cœurs endurcis de ces décideurs au discours hasardeux, et de faire du Cameroun un pôle semencier pour la production des semences en Afrique centrale, et qui deviennent, comme le disait Dominique Guerre, le pays qui contrôle la production semencière, contrôle la chaîne alimentaire et par ricochet, contrôle les peuples. Je vous remercie. C'était le médecin du cacao à votre service.